Il y a une question que nous poser en pile, c'est qui côté vous fait l'argent, qui j'ai fait l'argent. Et puis je dis, nous allons faire un petit lumière sur ça. Qui c'est? Qui côté vous fait l'argent, qui j'ai fait. Et puis regardez, pour qui ça, chaque pays pas décidé d'imprimer quantité l'argent vous voulez, et puis vous fait chaque monde riche. Et oui, je dis ça en pile fois. Chaque pays pour gérer la question de l'argent possède sa relation banque centrale. C'est banque centrale là qui imprime ou qui bail imprimer l'argent. Et là, on a besoin de mettre l'argent sur le marché. Banque centrale a utilisé banque privée, banque commerciale. Qui j'en ça fait? Eh bien, banque commerciale a un compte en deux banque centrale là. Et puis nous-mêmes, nous avons un compte nous dans banque commerciale là. Et puis, l'argent a brassé. Lorsqu'on a billet l'argent dans le qui sort, on fait papier avec un pile écrit sur lui. Et bien, pour l'argent fait, il faut qu'on fait chaque partie ça. Première étape dans faire l'argent, il faut qu'on fait dessin, il faut qu'on fait design. Si je fais un billet 50 gouttes, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une boule tête 4 fois là, je vais mettre 50 là, dans le dos, je vais mettre une forge jalousie là, et puis je choisis toute couleur, je vais mettre sous billet là, soit dans des dessins fin fait. Pour un pile pays, chaque 7 à 8 ans, il y aurait fait dessin l'argent pour diminuer le risque pour l'argent. C'est ça que fait 10 gouttes ça, comme ça, et puis ça lui-même, lui comme ça. Ou fin de dessin l'argent, il faut que vous un papier pour dessiner le sous lit. Et bien, il faut que vous fabriquiez papier l'argent dessiné pour le soulier. Dans les années 80, il y a quelques pays qui ont utilisé une sorte de plastique pour faire l'argent. Australie, Canada, Mexique, ils étaient tellement coûté un pile l'argent, ils étaient obligés d'abandonner. Mais ils étaient plus résistants tout. Pour jouer aujourd'hui, pour faire billets, ils ont utilisé coton. Yeah, coton ça, ils ont fait maillot. Ok, qui j'en ça fait? Eh bien, usine là ou bien banque là acheter coton. Par exemple, banque la France qui fait un pile l'argent, eh bien, chaque année, ils recevoir environ 2800 tonnes coton. Les coton ça arrive dans l'usine là, qui ça vous fait? Eh bien, ils rachent un petit morceau, ils vident dans le récipient et puis ils mélangent avec l'eau. Ça peut aller vite, ils ont pâte. Tout le monde, ils ont mouillé coton. Qui j'en lié. Les fin gè pas de coton ça qui ça au fait yo fourre en dans un rouleau qui aplatil et puis qui tout séché. Là nous vinn gè yo fait coton séché tout long. Kounye a faut que al mette dessin sous li. Non, oh, avant faut que yo mette système sécurité sous billet pour empêcher yo fait faux. Premier ça yo mette c'est filigrane. Ou pa wè l'on leve un billet en l'air dans un parti ou après soit un boule tête ou bien valeur billet, c'est ça. C'est pour sécurité billet. Donc si vous faites copie billet ça a pas capable de la donne. Eh bien, faut que vous passez filigrane sous feuille coton séché. Ensuite, vous mettez sous feuille coton séché un hologramme qui c'est un dessin qui a changé de couleur chaque fois vous mettez billet dans la lumière. Tout billet dans tout pays, gagne. Tout ça, c'est pour sécurité. Quand il y a papier fin, ok, faut que vous mettez dessin sous lui. Pour ça, vous utilisez plusieurs techniques. Il y a des techniques offset, quand vous prenez un lac, vous passez sous plusieurs rouleaux et vous collez les rouleaux ensemble et vous fourrez feuille coton en dedans rouleau ça. Vous passez, vous prenez couleur yo choisi pour billet. Gè technique taille 12 quand yo rempli un gros plaque ak lank et puis yo pran fait là ou déposer sous li ak dessin. Yo utilise sérigraphie tout pour capable faire hologramme nan. Et bien l'offre mette tout ça ensemble, c'est garder ou regarder c'est faire l'argent kap défiler en dans imprimante là. Kou ni aller l'argent au fin fait faut regarder si tout sorti bien, si couleur respecté. Et puis prend yo pour al stocker après pour yo voyer bay banque commerciale yo. Nous devons connaître chaque billet gon durée de vie. Pour euro c'est 2 ans, pour dollar c'est 3 ans, pour goud la même 6 à 8 mois. Raison hein? Nous maltraiter yo en pile. Pourtant Haïti parmi pays qui gen moins moyen pour faire l'argent parce que c'est payer pour imprimer l'argent yo. En 2019, BRHT fait connait pour 30 millions billets 10 goud, c'est 78 millions goud yo dépensé pour imprimer yo. Et li fait connait tout pour imprimer yon gen goud ou dépenser 3.6 goud, même si monnaie pièce yo fait plus temps par rapport à billet yo. Parce que yo même depuis yo commencé pourri bien rapide banque la ramasser tout, li prend yo, li boule yo et puis pour le mettre l'autre sur marché. Et pour l'argent pièce yo même, qui j'en ça fait? C'est pas compliqué. Yo juste pour un gros feuille métal, yo découpé yo dans forme ya bay l'argent. Après ça, yo coloré à cuivre, aluminium, nickel ou bien zinc. Exemple, c'est 5 gouttes ado qui ont fait, qu'ils ont fait ou découpé gros plaque métal là en bon petit morceau qui gagne 7 bords. Kounya qui ça a fait, yo fait dessin l'argent sur un petit bout de fer. Kounya yo vini a frapper petit bout de fer ça sous plaque métal là pour le quitter mac là. Ça vous en dit ya 5 gouttes ado qui fait déjà. Je nous aime tout décrit pour ces gens-là, nous disons nous à là tout pays qui a fait l'argent. Et non, tout pays pas fait l'argent. Il y a deux pays, tant qu'Haïti, c'est dans l'autre pays qui a fait l'argent pour eux. Pour qui ça? C'est simple.
appareil yo imprimante utilisé pour faire l'argent, c'est des appareils qui coûtent en pile l'argent et qui gagne gros capacité tout. Ça fait pile là-dedans on mettait dehors chaque année entre 1.5 à 2 milliards billets. Et là on prend Haïti qui a imprimé 75 millions billets chaque année. Donc il pas gain intérêt n'en faire un gros investissement comme ça, yo préférer bay faire l'argent dans l'autre pays. Par exemple, il y a 60 pays dans le monde qui bay imprimer l'argent en Allemagne, Angola, Botswana, Cap Vert, Éthiopie, Gambie, et il y a 20 autres pays, c'est la France qui gère dossier ça pour eux. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Dans la France, la Banque de France fait l'argent pour 17 pays, et puis il y a une entreprise privée qui est Oberture Fiduciaire qui fait l'argent pour RSU. Haïti, dans l'ISA, compagnie française, fait l'argent pour Haïti tout. Pendant que les pays ont fait l'autre pays imprimer l'argent pour eux, il y a deux pays, c'est la Banque Centrale, la CAIO, qui fait travail ça. États-Unis, la France, Inde, Canada, la Chine, pays à quoi bon yo? Pour ça tout faut nous dire, il y a 9 pays africains qui imprimer l'argent yo la caillou. Dans l'ISA ou jeune Maroc, Algérie, Égypte, Soudan. Dans cas pièce monnaie eux même c'est Canada qui si on connaît dans cause ça qui fabrique pièce monnaie pour plus passer 60 pays dans le monde là. Caster pour nous quelques entreprises dans le monde là qui reconnu dans question fait l'argent. De la rue en Angleterre, GND en Allemagne, Oberture Fiduciaire en France, entreprise qui fait l'argent pour Haïti 3, Banknote Company Canada, Crane États-Unis, China Banknote Printing en Chine. Bon, la Chine pas tape pas la donne. Déjà, la Chine c'est le premier pays qui imprime plus l'argent dans le monde là. Bon, à une population qui plus que 1 milliard, donc il a besoin de pile l'argent. Tout ça, il utilise monnaie électronique en pile l'autre bossa. Et en deuxième position, vous jouez l'Inde. C'est le deuxième pays qui imprime plus l'argent dans le monde. Bon, c'est le deuxième pays tout. Dans le monde qui a plus de monde. Quand il y a là, il y a une autre question pour me répondre. Pour qui ça, pays n'a pas décidé d'imprimer quantité l'argent ou vle. Et puis, bah, chaque monde en quantité, nous tous riches n'a pas calé quoi nous. Eh bien, ça qui fait pas comme ça, c'est parce que même si tout le monde plein l'argent dans le monde, ça pas plaisir yo riche pour ça parce que l'argent n'a pas gardé a fait papier n'a pas gardé elle pas gagne pièce valait peut-être pas c'est bien à service c'est ça au produit qui bal valait ça qu'arrivé nous pas fin comprendre. OK, on vient avec concept l'argent c'est pour être échanger produit yo j'en gagne yam j'ai gagne patate en gagne banane bon matin yo levé yo dit bon la plus facile pour nous c'est d'après mon son papier ou bien bout de fait nous écrit valeur produit yo sous lit qui donc pour gagner l'argent faut gagner produit faut gagner service. Eh bien c'est comme ça yon groupe dit ouais ça qui aime ça li vaut 4 sacs patates. Qui veut dire faut que me vienne à 4 sacs patates pour me prendre sac yam nan. Eh bien yo pour mon papier ou bien bout métal yo écrit ça sous lit par exemple yo mettez 100 sous lit on dit l'argent nous relé piste nous pas dans dollar donc yo mettez 100 pistes sous mon papier koun ya yon sac yam qui égal à 4 sacs patates là li égal à 100 pistes tout si m'a 4 sacs patates besoin yon sac yam m'a venu à 100 pistes mais pour 100 pistes là qui c'est l'argent qu'a prend sac yam nan faut que patate là existe vrai parce que c'est bien à échanger c'est pas bout de papier à vrai c'est comme ça on met des valeurs tout produit tout bien qui existe sur un feuille papier yon régime banane c'est 10 pistes yon tête cabrit c'est 5 pistes et puis yon t'est arrivé dans bail bout de papier ça relé l'argent valeur yon t'est utilisé l'or qui c'est une vraie richesse qui existe sur planète là on dit tant quantité l'or égale à tant quantité papier donc on y a là c'est lui qui vient servir base on imagine un scénario côté tout le monde charge l'argent pas gain produit pas gain bien qui sont pas faire avec l'argent donc ça pas arriver si cal produit qui gagne ou pas l'ouest c'est prix qui a augmenté j'économise sur ça inflation. Et ça a été arrivé dans l'histoire déjà, ça ne comprend. Dans l'année 20, après la première guerre mondiale, ils ont mis les mains en bas pour l'Allemagne pour dédommager quelques pays. Ça nous connaît la Banque Centrale en Allemagne fait. Ils ont imprimé un pile papier l'argent qui plus que bien qu'a produit en Allemagne. Donc l'argent disponible sur ma chair, et bien famille, dans l'époque, ça vous acheter un pain en Allemagne, vous avez besoin d'une grosse valise l'argent. Charger l'argent, pas de pain. Si vous avez gain, les vignes, misère, pirède, avec tout plein l'argent. C'est ça que fait, Banque Centrale doit imprimer une quantité d'argent qui correspond à la quantité bien qui gagne dans le pays. Haïti pauvre, ce n'est pas parce qu'il n'a pas gagné l'argent, mais plutôt c'est parce qu'il manquait produit, c'est parce qu'il manquait bien et service. Pour nous, bien, même si les États-Unis vont bon matin, ils boulent tout billet de dollars qui gagne, tout net, il a toujours été un pays qui est riche. Parce que premièrement, il gagne l'or. Et ensuite, il gagne pétrole. On a toujours besoin.
Et ça l'a fait, l'a juste pris un bout de papier, encore, et puis il mette les valets sur eux. Quand il y a un campé là, monsieur, il me fait nous comprendre le dossier ça bien. N'a pris rendez-vous une autre fois pour une plus belle vidéo. Peace.